je suis un peu perdue. Il y a Mouni qui fait des grimaces. Je comprends pas grand chose, mais bon, c'est de ça qu'il s'agit déjà. Aujourd'hui, on reçoit. Ah, mais tu devais faire un truc. Il est pas là. On va bipper Papouchka pour qu'il revienne. Mike, tu ne suis jamais en classe, toi. Toi, tu devais avoir de très mauvaises notes. Tu dis quoi? Là, nous tous qui sommes ici, là, on était premiers en classe. Non, moi j'étais première. J'étais premier aussi. C'est faux. Tu dis quoi? Avant, j'avais pas le temps. Mike, on reçoit qui aujourd'hui? Tu le fais ou tu le fais pas? Oui. On voit le truc, on voit le truc. On voit le truc. Mais je vais me moquer. Comment t'es dit? Il était une fois. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis pour rien. Lui est mieux. Un homme intègre. Fort. De bon dos. Pourquoi si tôt? Mimi. Il nous dira aujourd'hui pourquoi elle se fait appeler le Mimi. Mimi. C'est qui? Bien Mimi et Meta. Aïe! Qui sera les confards? Flim! Flim, si t'es connecté, sais... franchement, il n'y a qu'à ces moments-là que tu me manques. Je suis désolé. Ton esprit créatif me manque. Tu sais Mike, moi, t'es toujours à l'ouest, c'est bon là. Les improvisations, ne te défends pas. Les improvisations, c'est pour les coupeurs des calleurs. Dis-moi. Si tu donnes ça au Mimi tout de suite, tu vas tuer. Je dis, le MC, t'es à l'écoute là. Il a massacré ton Ken. Il était une fois. Attends, il reprend une dernière fois. C'est bon, là c'est bon. Je ferme pour une fois. D'accord, alors, bonsoir de Bordeaux. Vous aurez compris, chers auditeurs, nous recevons le Wizagara, le maître, le Chakoromba, ou pas la nation, le Mimio. Attends, il est fait. Vas-y. Dire. Mimio. Mimi et sa maman. Salut de Bordeaux. Salut, à toute la team, trace, tranquille. Il est tué, le Mimi. Je suis encore maintenant. Si Mimi l'a tué, non, il est comme ça. Ouais. Faut bien t'envoler. Mimi. Allez, chers auditeurs, toujours en direct, de Trace FM 95.0. On espère que vous prenez plaisir à nous suivre. Très rapidement, entrer dans le vif du sujet et commencer par décliner l'identité, sinon la petite biographie de notre cher invité de Bordeaux, Linkoumpa. Si vous êtes prêts, prenez note, parce que ça va pas arriver tous les jours. Hein. Allez, c'est parti. Bon. Mais c'est quelle photo on prend à lui mettre la nuit, là? C'est le dans le studio, c'est le souffle des seigneurs. Épargne-moi. Donc, Cyril Dibe, Patrick Tongui et Maître, sinon pas la nation, le Mimi. Voilà. De Bordeaux, Linkoumpa est un artiste, chanteur, compositeur ivoirien, né le 5 mai 1984 à Abidjan. Son enfance se définit comme étant une enfance paisible passée auprès de sa grand-mère dans la commune de Koumassi à la Sikoji. De Bordeaux, Linkoumpa va abandonner l'école au collège et faire ses premiers pas dans la musique en tant que disque jockey en 2004. D'abord à la cour des grands, au Milmaki, à Marcory, puis du côté de la rue Princesse à Yopougon, au Maquis Le Shanghai, où il exerçait aussi avec DJ Arafat. C'est en ce moment que De Bordeaux commence à se faire un nom dans le milieu du showbiz ivoirien. L'American Soldier va poser sa voix mélodieuse sur plusieurs titres qui deviendront incontestablement de véritables succès. L'aventure va se poursuivre et connaître un véritable boom à partir de ses différentes collaborations avec son ami, ennemi, DJ Arafat, véritable tandem de feu à l'origine de dizaines de tubes sur le continent africain avec en leur possession donc des titres comme Pangor, Confirmation Pangor, Les BD 1 et 2, 25-25 Arachid. Non, voilà, Mita. Mais 25 garages. Tu vois, le père Cyril est là, il me paye pour Chocobi. Donc il faut que je justifie mon salaire. Avec le 25 arachides. Ces tubes dotés de nouveaux concepts et danses s'imposent très vite et arrivent en tête des classements ouest-africains. Sa campagne à ces tubes, pardon, des freestyles à Talakou d'environ 10 minutes qui vont s'imposer sur le marché, à savoir le spécial Stéphane Sessegnon et Marie-Claude Sessegnon ou encore le spécial Rigobert Song. Contrairement à ses compères qui sortent des titres
quasiment tous les 3 mois, devoir donner une confin est beaucoup critiquée pour rester trop silencieux. N'empêche qu'à chacune de ses productions discographiques demeure de véritables célébrations. Avec lui, l'adage « la patience est un chemin d'or » se justifie aisément. Aujourd'hui, Devoir Donner Koufa se positionne comme l'un des artistes coupés décalés les plus en vue et les plus sollicités de ces 15 dernières années, avec de gros, gros, gros hits tels que Opa la Nation, Célébration, Apéritif, Yamoukoudi, L'Enfant Gâté, Yamoukoudi, Yamoukoudi. Ah bah écoute, Yamoukoudi. Yamoukoudi. Non, c'est Kidji. C'est Kidji. Bon, il est là, il va répondre. De Bordeaux, c'est quoi Apéritif, Yamoukoudi? Bon, Yamouki, là je viens de massacrer le truc. Bon, poignet pour vous. Poignet pour vous. Yamouki. Apéritif Yamouki, l'enfant gâté Kikima est aujourd'hui spécialité ivoirienne qui tient toutes ses promesses avec plus d'un million de vues sur YouTube. Son timbre vocal inestimable, son esprit créatif et son amour pour les bonnes mélodies lui permettent d'assurer un succès certain à toutes ses sorties musicales. Bienvenue de Bordeaux, c'est avec un plaisir incontestable que nous te recevons aujourd'hui dans nos studios. Bah, on espère que tu es content aussi d'être là parmi nous. Merci pour la considération. Alors comment tu vas? Je t'ai même pas posé la question. Ouais. Un peu sonné, mais ça va. Un peu sonné, mais qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin pour être sonné? Non, je suis sonné par les événements que j'ai vécu, voilà, que je vis. Voilà, c'est... D'accord, on est de tout cœur avec toi. Les événements que le coupé décalé, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a des de Bordeaux Chocon, maintenant personne n'a rebondi dessus. Mais de Bordeaux Chocon, il y a l'autre. De Bordeaux, tu as déjà vu direct de De Bordeaux. Et c'est Choco. Depuis son premier United States of America. Il parle anglais. Le film encore pour ça. Il jetait les M.O.M. au dedans, mais j'entends plus ça. Donc, faiseur de feat. Parce que de Bordeaux, l'interview a commencé là maintenant. On va commencer à te cuisiner, j'espère que t'es prêt. T'as mis la combi de chaleur. Alors ça va. Fais un bon de feat, quelle est la collaboration qui t'a le plus marqué et pourquoi? En parlant de feat, la collaboration qui m'a le plus marqué et pourquoi? Ouais, c'était ça la question. Je crois la collaboration avec DJ Rafat, Bon. DJ Rafat, mais si pas la faire les feuilles. C'est trop frais. Laquelle des collaborations? Il y a eu Pongo, il y a eu les BT, il y a eu Pongo, c'est moi-même qui ai structuré la musique aujourd'hui. Il y a un esprit dans ce morceau-là. Ouais. Mais j'ai vu une vidéo où lui est... Au stade, là. Non, blague à part. Attends, il y a c'est Brésil. Il est calme dans mon coin, tranquille, ça ne fait pas. Et la vidéo, Et la vidéo à la rue Princesse, Il n'y a pas vu ça. Mais pour le stade, là. Lui, se souvient de ça. Non, la rue Princesse, mais c'est comme ça tout de suite. C'était la crise. En tout cas, c'était la S. À la rue Princesse, en ce moment, le vieux Moro, c'est pas trop bien dansé. Parce que il se jurait. Non, mais essaie-moi, c'est dansé. Non, actuellement, ça va, franchement. Actuellement, tu déjà. Non, tu peux rester seul même. Ça, mais il danse plus. C'est la petite truc. Tu sais que quand tu t'es battu, tu vas vite te battre encore. Là, tu restes les danseurs, on fait le travail au calme. C'est ça même. Alors, de Bordeaux, est-ce que tu as un cœur à prendre? Si, je suis un cœur à prendre. Tu as bien entendu, c'est pas la question. Comment tu peux me poser une telle question? Bon, moi, toi aussi, vous pas fait ça? Ah, mais c'est pas. Non. Demandez, c'est parce qu'on connaît pas ta goût. Non. C'est ça qui est beau. Aussi, c'est quel homme qui a venu te mentir pour dire que lui n'a pas quelqu'un dans sa vie? Non. En fait, il se fout de toi, en fait. Non, vieux, ça peut arriver. Non, mais. Mike, par exemple, il est célibataire. Allez, si tu es femme et qu'un gars vient te draguer, puis te dit qu'il a personne dans sa vie, c'est un menteur. C'est un menteur. Faut dire qu'il a des intentions diaboliques. Lugubre. Justement. Des intentions diaboliques. Ah, le grand. Comment tu as dit, toi tu es là, et toi de 0 jusqu'à peut-être 30 ans, toi tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. C'est que tu as des trucs. Non, vieux, tu vois, ça peut être à un moment de sa vie. Il vient de rompre, il y a un gourmand qui est dans les airs. Tu vois, c'est des choses qui arrivent. Non, quand ça quand même va préciser, effectivement, je viens de sortir d'une relation. Sinon, moi, il y a quelqu'un, toi aussi. Et tu as des enfants?
Ouais, ça c'est la moindre des choses. Hein, tu sais que, voilà. Combien? Non, je peux faire taire. Je peux faire taire. Ah, c'est vrai qu'il est discret sur ses enfants. Ouais, ça c'est bon. Non, mais le nombre, on n'a pas dit le nombre. Il ne va jamais te dire, tu vas monter, tu vas décider que l'émission a fini. Jamais. On dit jamais le nombre. Il est bête gros, c'est au moins 5. Ouais. Tu vois, non. Ouais. En vrai, c'est ça, tu es tombé dessus pile poil. Et puis t'es gros, c'est au moins 5. Peut-être il y a un en cours. Elle a dit. Oui, yes, vache. Alors, parmi tes concepts, c'est quoi ton préféré? Lequel est ton préféré? De tous les concepts que tu as sortis. Célébration, sortez la phase. Et dans le sang. Sortez la phase. Je ne sais pas danser, mais. Ouais. Alors. On reproche à De Bordeaux de trop tarder avant de faire sortir des titres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? C'est votre problème. C'est votre problème. Il y a qu'un souci. Il y a qu'un souci. Ouais, vous savez que quand les mélodies pour ajuster et pour en fait c'est pour mieux ajuster en fait les mélodies et au niveau des structures tout et tout, vous comprenez un peu, c'est pour ne pas apporter du n'importe quoi, vous voyez un peu, voilà, parce qu'il respecte l'oreille musicale des fanatiques, faut pas s'amuser avec. Mm-hmm. Elle dit c'est pas parce qu'on dit dépêche toi tu envoies les sons, parce que si c'est pour envoyer le son à la vente, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Mais moi aussi quelqu'un il n'aime pas la défaite, quand il est lancé one, j'ai lancé, mm-hmm. Et je suis sûr à 100%, mm-hmm. Et ça t'atteint, d'accord, achève pas. Alors, je rate pas la cible. C'est quoi ton regard actuel sur le couplet décalé? Ah, c'est juste une pause. Que tu le veuilles ou pas, on est en pause. Voilà, il y a un break. Alors, un break qu'on est obligé de consommer d'abord, qui doit nous emmener à réfléchir. Mm-hmm. Voilà. Un break pour tous les faiseurs du couplet décalé. Maintenant, ils voient des artistes qui se mettent à sortir des sons champions. Tant que tu n'as pas encore consommé ce break-là d'abord, tu n'as pas encore compris qu'il y a un message qui a été lancé à tous les fusées de couper les calés. Tout ce que tu vas faire sortir, sincèrement, ça sera chaud. Il faut mm-hmm. déjà accepter d'abord, comprendre, tirer des leçons et se relancer. Voilà. Sinon, tu es mal coupé les calés. Il y a un break, que tu ne veux pas, il y a un break, ça ne connaît pas. On ne dit pas. Toi-même, tu sais, moi, je sais, nous tous savons. Oui, on sait, on sait où. On connaît déjà. D'accord. Alors, De Bordeaux, dis-nous, tu arrives avec une facilité étonnante à poser sur différents genres musicaux tels que le zouglou, le reggae, hip-hop, ambiance, etc. Si tu devais choisir un genre musical pour continuer ta carrière, lequel choisirais-tu? Sincèrement, j'ai l'embarras. Parce que j'ai l'embarras, j'aime pas rester dans un registre. Couper les galets, c'est parce que tu sais que bon, voilà, c'est un peu chaud au pays, tu vois, un peu non. Voilà, c'est un peu chaud, tu vois, un peu, voilà. Les diplômes sont là, il n'y a pas de barrage, tu as un potentiel, tu sais chanter, tu vois, un peu non. Mm. Et il y a un mouvement où tu as bien l'argent rapidement. Mm-hmm. C'est dans ça, c'est lancer dans couper les galets, puis ça vient chap-chap, tu vois, un peu non. Donc, c'est dans ça, là, et puis bon, tu es à l'aise dedans, tu vois, mm-hmm. un peu non. Bon, je suis à l'aise dans plein de choses, tu vois, un peu. Ils sont reggae, dans différents styles, je suis à l'aise. Les surpris, mais le couper, les caler, sincèrement, le travail est énorme. En tout cas, au pays ici. Ah ouais, hein. Ouais, ouais. J'ai vu une vidéo dans laquelle, en fait, je l'ai surpris en train de faire une sorte de freestyle, mais plutôt en R&B. Moi, et franchement, oui, le vieux. Ouais, c'était dans le je crois que c'était dans le studio de Baby Philippe. Je sais pas, c'était dans un studio. Ouais, et ouais. Il est en train de faire des envolées. Non, mais franchement, je me suis dit. Ah ouais, hein. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ça donne quoi sinon quand tu fais les envolées? Ouais, ouais, ça c'est moi, ça. ça dit que moi. Et là-dessus. Ouais, ouais. Bravo. Oula, d'accord. Alors, on lit aussi sur les réseaux sociaux que tu étais en dépression depuis la disparition brusque et tragique donc du Yoro. Bon, déjà, il faut être clair dans la vie. Mmh. Et voilà, ne dites pas la disparition de Yoro, parce que le nom Yoro, bon, c'est moi qui l'attribue ouais. à Didier Arafat en quelque sorte. Mmh. Donc, tu vois, dans nos débuts, tout et tout, parce qu'on est d'abord des portes d'abord. D'accord. On était les deux premiers petits à entrer dans la nuit. Le mouvement Atalaku, Protada, depuis étant la Ladi Tutuya, tout et tout. Mm-hmm. Tu vois un peu, non, on était les plus petits. Je crois qu'on avait peut-être 12 ans. Wow. Voilà, on avait 12 ans. On était fou, on était bébé.
Okay. Donc on s'est ramassé nous deux, puis on s'est baladé dans les maquis pour aller assurer, tu vois un peu, non? Donc tu vois, il y a toute une histoire, et après on monte un scénario. Là, attends, j'augmente mon micro. Ouais, vous voyez un peu, non? Il y a toute une histoire, et aujourd'hui, là, il y a un qui s'éclipse. Et on me demande de Bordeaux, est-ce que tu vas bien? Bien, bon. Il y a comme l'impression que les gens voient ça du jeu, c'est pas facile. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de dépression, mais c'est au-delà de la dépression. D'accord. On est obligé d'accepter, mais bon, ça fait toujours mal. Les blessures ne sont pas encore enfermées, les cicatrices sont encore là. Et bon, on est obligé de s'y faire. D'accord. On n'a pas le choix. Ok. Une autre question. Quand on sait que tes productions sont pour la plupart la résultante de vos clashs, c'est-à-dire à Rafat et toi, penses-tu que tes nouvelles sorties auront la même saveur? En plus, même. Plus, tu penses? Plus, parce que là, l'air Arafat de Bordeaux, on va dire peut-être à temporiser, mais moi aussi on quête de quelque chose, parce qu'on va dire qu'on était sur la, bon, pas sur la même longueur d'onde, on va dire, mais on était dans la même compétition, dans la même course, tu vois un peu, tout ça dans l'optique d'apporter de la joie à tous nos mélomanes et à toute l'Afrique, tu vois. Bon, l'autre a remporté des trophées. Donc là, de Bordeaux est en mesure maintenant d'aller ramasser aussi d'autres trophées, peut-être même au-delà même des trophées de DJ Arafat. Mais tout en rassemblant tous les fanatiques de DJ Arafat, de Bordeaux, de différents pays. Et aussi se positionner comme les respecter aussi, s'arranger à demeurer légende aussi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que les clashs au sein du coupé décalé vont perdurer ou bien vont s'estomper? Oh, ça sera plus la même couleur, on va dire. Ça sera plus la même couleur. Ah, mais c'est les loups là. Ça fait le candidat passer sur un. Non, mais je veux dire, le duo, vu qu'il y a un qui n'est pas là, donc on va dire le temps. Clash, ouais, c'est clair, le temps du duo, en ce temps-là, franchement, c'est. Allez, main, cours à votre. Non, en fait, je disais allusion au duo. Donc, tu penses qu'il y aura toujours des clashs? Qui va oser comme ça, franchement? Bon, présentement, qui va s'amuser à faire clash et un mois de Bordeaux? Moi, j'attends. Moi, je suis là. Il y a d'abord, je suis fâché. Mais d'abord, Arafat et de Bordeaux, c'est un magiment. Yeah. C'est pas, vous comprenez un peu? Ça dit, c'est notre. Ça a été notre vie, notre gagne-pain. Les clashs Arafat et de Bordeaux, on a monté notre système tranquillement. Et puis, départ, il y a un qui est parti. Donc, tu vois qu'il y a un système libre. Ça dit? Donc, tout était monté, toute pièce, en fait. On a tout monté, tout se monte et tout se passe chez Arafat, tout se passe chez des Bordeaux. C'est-à-dire, moi j'arrive, j'ai dit je monte ça, Arafat aussi, bon ok, voilà ça a été positionné, ça faut attaquer tel artiste, moi j'attaque tant, tu vois un peu. Non, c'est toute une politique au fait, tu comprends comme un ça, peu. Ils nous ont mis les moutons. Attends, moi je vais pas tout avaler, viens détailler, mais le vieux, et le jour il a pleuré là, ça. Non, à cause de Chris, il a pleuré. Oui, c'était vrai, voilà. Ah, ça c'était vrai. Ah, voilà. Parce que je connais mon pote, je sais qu'il est beaucoup fragile, voilà. Mais j'ai compris. Il a la facilité d'extérioriser un peu ses émotions, voilà. J'ai flairé la ruse quand notre regretté Yoran a eu un problème et que tu es parti le rejoindre en France parce qu'il était interdit de rester sur le territoire ivoirien. Ouais. Tu es parti et c'est là que j'ai dit mais attends, finally ils se sont assis sur un café là, ils ont fait direct. On a toujours été côte à côte quand il y a les dans histoires, les épreuves, et dans tout les épreuves ça. Voilà, les plus compliquées, difficiles, tout et tout, voilà. Donc, pas plus normal que de par mon relationnel, j'ai réussi en tout cas à décanter certaines situations dans ces épreuves-là. Donc voilà, c'est pour dire que tous pour un pour tous. Un pour tous, c'est voilà. Bien, c'est tout à toi. Mais quand on arrive sur le tatami musical, il faut montrer, il faut attirer un peu l'attention des mélomanes. Il faut les endormir. Voilà. Et on a réussi. Ah ouais, ça. On a réussi, chapeau. Voilà. Chapeau. Alors, à quand un feat avec un artiste à l'international? À quand? Un feat avec un artiste international. Bon, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Là.
C'est que quand Arafat s'élève pour aller faire featuring avec Jim Martins, mm-hmm. c'est Jim Martins qui paye Arafat. Même Davido, c'est Davido et sa maison qui paye Arafat. D'accord. Moi, il y a quoi? Et puis, elle va dire prendre Davido, même si. Ils ont besoin de moi, il n'y a pas de souci. On va y avoir des holophones, tu connais les prix. Les Nigériens sont pas pleins. Quand tu dis un fit, on va te parler de 50 000 dollars, ou 400 000, 85 000 dollars avec les fit. Bon, t'as bien échappé, quoi. C'est quoi, t'as fait tout le monde? Vous restez là-bas. C'est bien, si on a trop déjà fouillé sur les photos, tranquillement, on doit aller, puis bon, ça passe. Mm-hmm. Le jeu, il est trop chaud, ou bien, le jeu, il est trop chaud. Ah, dis bon, hey, my brother, il y a nous signé, ma soeur. Ok, no problem, il est chanté, puis on doit aller. Voilà. Okay. Mais sinon, on va sinon, faire, moi, c'est des bordes, comptez là, comme ça. 80 000 dollars. C'est mort, c'est dead, man. Faut tu chantes plus, même, c'est bon. D'accord. Alors, d'abord, dis-nous, on dit que tu aimes femme, vrai ou faux? Y'a ces CPD. Tu as déjà vu un PT. Aïe, un PT, fusion, gourou, les deux dans un corps. C'est pas simple. Ça donne de Bordeaux. Ça apporte tellement le top. Yéri, avec les femmes, c'est le péché mignon de tout garçon. Un garçon, ah ouais? Moi, toi, tu vois une femme et puis elle te dit rien. Mike, c'est vrai. Tu es un sorcier. Oui, mais. Ah. Non, tu dis oui, mais aïe. Non, un garçon, quand même, normalement, est bien constitué. Mm-hmm. S'il n'aime pas femme, c'est qu'il y a un problème. Non, mais femme est là pour des garçons. Comment voilà. Elle est là pour des toi, voilà. Tu vois, je n'ai pas les. Maintenant, en fait, faut juste. Voilà quoi. T'as dit que tu as ta femme et puis tu as un boss, c'est ça, c'est oui. Non, mais même si tu n'as pas femme, c'est là pour ça. D'accord. 7 milliards de femmes, 2 milliards de garçons. On te met dans un feeling là et on va essayer de voir comment tu t'en sors, d'accord? Vu que tu viens de confirmer. Attends, je t'explique le scénario maintenant. Et il n'y a pas encore fini de faire mon deux. Il n'y a pas de problème. Mais là, écoute, tu rencontres Hugo, ouais. D'accord, pour la première fois. Okay. Hein, on suppose que c'est Mounia. Ouais. Voilà, tu l'as. Moi, je suis pas gênée des bonnes fois, mais les gênées. C'est vrai. Allez m'appeler Geneviève. Gênée, qu'est-ce que c'est? Oh, laissez gêner. Non, appelez gênée. Oui, elle est partie. Oh, gênée. Gênée est partie. Gênée, si t'as écouté, je te fais plein de bisous. Donc, tu rencontres gênée pour la première fois, d'accord? Oui, gênée. Tu es mal fond. Ouais. Séance tenante là. Donne-nous ton plus beau discours pour la pâtée. Et je suppose que là, c'est Jeune qui est assise à côté de toi. Hein. Salut, elle est déjà draguée. Non, tu n'as pas encore dragué. C'est la bonne en train de passer. Ah, non, t'es passé. Non, t'es passé, tu es fond. Et puis, voilà tous les compliments. Tout, voilà, alimentaire. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu l'abordes déjà? J'ai en train de passer. J'ai en train de passer. Comment tu l'abordes? Comment tu lui parles? Qu'est-ce que tu fais? Pour déjà, ne serait-ce que avoir son numéro de téléphone. Bon, déjà, elle est dit, bon, ma chérie. T'as dit, elle en est passée. Excuse-moi, mon chéri, c'est pour un renseignement. J'espère que vous filmez, vous allez retrouver tout ça sur la page Facebook. Ma chérie, excuse-moi, c'est pour un renseignement. Je peux te poser deux questions, pardon. Mm-hmm. Je peux te poser une question. Mm-hmm. Attends, ça dit, toi, tu es fière de toi quand on n'est pas jolie, puis toi, tu es belle, tu es en forme, tu es rapide, les conditions, ça te plaît au fait. Ça marche, hein? Aïe. Elle dit, mais c'est Dieu qui... Elle va te dire que c'est Dieu qui m'a façonné comme ça. Mmh. Sincèrement, ma chérie, tu es belle. Mmh. Tu es belle. Mmh. Non, ça dit, Dieu a pris du temps pour te confectionner. Non, tu as l'état brut de la beauté. De mon respect. Mais excuse-moi, sincèrement, on ne se connaît pas. Hein. Moi, c'est des Bordeaux. Les confins. Je suis le jeune maçon. C'est vrai qu'il ne peut pas t'avoir. Mais comme Dieu dit, on n'a qu'à s'aimer entre nous. Hein? C'est un peu mal poli. De pouvoir essayer de rester en contact avec toi. Mais sincèrement, ta voix, moi, en tout cas pas dans une collection, mais ta voix, en tant qu'ami, ça me fera du bien. S'il te plaît. Voilà mon numéro. Il ne sait rien, mais tu verras. Dans la vie, là, chacun peut apporter quelque chose à son camarade. Donne-moi ton numéro, ou bien tiens mon numéro. Appelons-nous. Moi, si j'étais à côté de moi, et si tu es à côté de moi, je te jure que j'aurai tous les points. De la terre et tu es belle. Rien que par ta beauté, mon quartier va me respecter un peu. S'il te plaît, donne-moi ton numéro. La suite. Non, moi, mais elle donne. Elle est compliment des traces. Ça dit, si tu veux, faut même pas. Ça dit, il sait que bon, moi, bon, il n'est rien, il y a fort, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour me sauver.
mon quartier. Les gens de mon quartier se foutent de ma gueule. Donne-moi juste ton numéro. Je vais t'inviter un jour. Elle dit non, voilà ma camarade. Si elle s'amuse, elle a des numéros. Si elle s'amuse. Elle est dans ses filles. Elle est dans les bains. Des camarades en passe à petite amie, des petites amies en passe à ses ma femme. Qu'est-ce que je fais ici? Qui c'est dans ton lit, quoi? Maman, il sait pas. Il sait pas ce qu'il m'a pris. Soudainement, brusquement, bon. Ouais, puis c'est arrivé. Et puis c'est arrivé. Bon, c'est rien. Non, tu as un 10, tu as un 10. C'est rien. Non, c'est rien. On sent que tu as la pratique. Bon, ouais, tu as vu un peu, non? Voilà. Ouais, c'est trop rodé. Tu sais, ça, là, c'est les draps d'avant. Les mais ça, c'est le TAP. Non, mais ça marche toujours. Hein. Mais il faut checker la fille, vraiment le temps d'écouter. C'est d'abord le temps, tu es à peine. Non, mais je pense que génération 2.0, maintenant, là, les filles, là. Ils ont vraiment ça les gemmes devant. Hein. Voilà. Si, si. Non, il y a des manières. Il y a des manières, c'est le point de parle. Moi, hey. Je drague pas. Et dis-moi, bon, la partie qui me met en confiance, c'est où tu as l'un et puis t'en t'es fait chier là. C'est la partie là qui est nerveuse. Ah ouais, ça arrive. Donc quand tu arrives au naturel d'une manière fausse, c'est le mensonge qui va avec toi. Si tu t'as amusé, tu as dû inviter une femme, tu sais, tu vas mourir célibataire. C'est le quoi tu parles. Le mensonge et la femme. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et c'est le quoi tu parles. Tu mens la femme d'abord. Aïe. Oh non, c'est richement, il n'est rien fait. Tu dis quoi? Elle a quitté devant toi. Chips ici. Allez, on s'écoute un peu de Zik. Enfant gâté avec Devoir de Linkofa. Et on revient dans nos studios pour la suite de Génération 2.0. Déconnectez surtout pas. On se dit à tout à l'heure. Hein? Non, tu connais la fête là. Oh, Tic Saga, quand on va. No, 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 no.